La bonne nouvelle de ce matin. La Bible dit que celui qui veille sur nous ne dort ni le sommeil. Pourquoi Jésus veille et toi tu dors? Pourtant c'est toi qui as problème. Alléluia. Lui il est là, il est prêt à t'écouter, mais toi tu dors. Or, le sommeil est une arme de tes ennemis pour pouvoir t'atteindre. Le sommeil est ce que les sorciers te communiquent pour pouvoir t'atteindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, il faut que tu sois là spirituellement avec nous. Amen. Il faut que tu sois là spirituellement avec nous. Amen. Il faut que tu sois dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te voir balancer la main ce matin. Si tu es là. Je vais te voir balancer la main. Dis salut Saint-Esprit. Dis salut Saint-Esprit. Dis salut Saint-Esprit. Dis salut Saint-Esprit. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de toute ma pensée. Je t'aime de toute mon âme. Je t'aime de toute mon existence. Merci de ta présence ce matin. Merci de libérer l'atmosphère ce matin. Merci Jésus de prendre le contrôle ce matin. Merci roi des rois ce matin. Merci Dieu vivant. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Saint-Esprit ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Saint-Esprit ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Et rien de ce qui existe sur cette terre n'a été fait sans ce que je suis en train de te parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout a été fait par cette chose. Je vais l'appeler pour le moment cette chose. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui soit sur la terre qui n'a été fait sans cette chose. La Bible dit dans Jean, le chapitre 1, alléluia, Amen. Que rien de ce qui existe sur cette terre n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais te parler de la puissance de la parole. Amen. Tu es là. Mais il y a eu des déclarations qui ont été faites sur ta vie. Tu es là. Mais si ça ne va pas, c'est que quelque part, une parole négative a été prononcée contre toi. Tu es là. Mais les décisions ont été déjà prises avant que toi tu le sois. Amen. Et si tu ne t'es pas levé pour annuler ce qui a été proclamé, déclaré contre toi, tu vas demeurer sous le joug de ce qui a été fait contre toi. Alléluia. Amen. Je vais te parler de la puissance de la parole. Qu'est-ce qu'on appelle la parole? Alléluia. Amen. La parole, c'est l'expression verbale de nos pensées. Amen. Amen. J'extériorise ce que je pense. Devant tout le monde m'entend. Je dis ce que je suis en train de penser. C'est ce qu'on appelle la parole. Je suis en train de parler. Alléluia. Amen. Rien de ce qui est sur cette terre n'a été fait sans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, au commencement était la parole.
Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Alléluia. Et rien de ce qui existe sur cette terre n'a été fait sans la parole. Amen. Amen. Le fait que tu sois vivant, c'est la parole qui a été dite sur toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et cela se fit. Alléluia. Amen. Ou cela fit ainsi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je veux dire à la fin de mon message que ce qui a été dit sur toi, toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur toi, soient annulées ce matin. Alléluia. Amen. Je veux qu'à la fin de mon message, la vie de quelqu'un soit transformée. Je veux qu'à la fin de mon message ce matin, ce qui a été déclaré sur toi à les ancêtres, alors que cela soit renversé au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre rapidement nos billes. Je te dis que je suis en train de te parler. Amen. Nous allons partir avec Proverbe, le chapitre 18. Le verset 21. Soulevez la Bible, on va voir. Les chrétiens. Soulevez la Bible ce matin. Soulevez la Bible, on va voir. Soulevez ta Bible, on va voir. Alors, comme ça, on va voir. Même si ça se trouve dans le portable, faut soulever. Aujourd'hui, on a la chance, la Bible se trouve dans le portable. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui est ta carte d'identité. C'est ce qui démontre que tu es vraiment chrétien. Tout à l'heure, nous finissons la prière. Et en allant à la maison, les policiers t'arrêtent en route. Tu leur dis que je suis chrétien. Je suis quitté à la veillée. Ils vont te demander qu'est-ce qui prouve que tu as quitté la Bible. Tu n'as pas de Bible. Comment les convaincre que réellement tu as quitté la Bible? En leur présentant la Bible, ils peuvent tiquer. En leur présentant la Bible, ils peuvent tiquer réellement ce monsieur vient de la veillée. À cause de la Bible, qui incarne la parole de Dieu, laissons-le aller à la maison. Mais tu viens, et tu dis que tu es chrétien, tu n'as pas de Bible. Tu ne veux pas que le policier t'arrête. Ton passeport, c'est la Bible. Toutes les pièces, c'est la Bible. Alléluia. Donc en tant que chrétien, il est indispensable que chacun ait sa Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alléluia. Donc je te parlais ce matin de la puissance de la parole. Nous allons voir Proverbe chapitre 18. Le Proverbe, verset 21. On va écouter la parole de Dieu. Proverbe 18, verset 21. Oui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. De la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Reprends encore. La mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Oui. Quiconque l'aime. Quiconque l'aime en mangera les fruits. En mangera les fruits. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin, Seigneur. Merci de cette parole, Seigneur. Je prie que tu effaces ma personne, Seigneur Jésus, Père, et que toi-même tu parles à ton peuple, éternel Dieu. Merci, roi des rois. Fais-le à cause de ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Dieu vivant. Gloire te soit rendue ce matin au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa parole ce matin? Amen. La Bible nous enseigne ce matin
et la mort le Père sont au pouvoir de la langue. Et le ce qui explique que à travers la langue, on peut construire. Comme à travers la langue, on peut détruire. La langue peut bénir, comme la langue peut maudire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce qui est plus cruel pendant la guerre, que nous avons traversé, c'est ce qu'on appelle les rumeurs. Mais alors, la rumeur, il a une indique. C'est pourquoi je te dis que la langue peut construire comme la langue peut détruire. La langue peut bénir comme la langue peut détruire. Elle peut nous dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout se trouve, tout se résume autour de la langue. À toi de manipuler, de savoir manipuler la langue. Pour construire ou pour maudire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on s'entend? Alléluia. Est-ce qu'on s'entend? Alléluia. Une maman vivait avec ses enfants. Alléluia. Et un jour, il est bon. L'un de ses enfants est allé voler. Amen. L'un de ses enfants est allé voler. Elle est convaincue que c'est l'enfant qui a volé. Parce que l'enfant est revenu à la maison avec ce qu'il a volé. Elle a bien vu. Mais elle couvre l'enfant. Alléluia. Elle dit, ce n'est pas mon enfant qui a volé. Ce n'est pas lui. Si c'est mon enfant, que l'année ne finisse pas, que je meurs. Dis à quelqu'un, fais attention à ta parole. Dis-lui, fais attention à ta parole. Tu dis des choses qui peuvent te rattraper plus tard. Tu dis des choses qui ont des effets plus tard sur ta vie. Si t'arrives des situations que tu ne comprends pas, ça dépend de ce que toi-même tu as déclaré sur ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La femme dit, si c'est mon enfant qui a volé, que l'année ne finisse pas, que moi, sa maman, je meurs. Alléluia. Amen. Elle a semé cette parole. Elle, pour elle, c'est fini. Non, oui, bien. Les voisins ont oublié. Tout le monde a oublié. Alléluia. Quelques mois plus tard, avant la fin de l'année, voici la femme va tomber malade. Et effectivement, elle va mourir. Selon la parole qu'elle avait déclarée sur la vie. Amen. Quand tu es trop dans la colère, ne prends pas de décision. Quand tu es trop dans la joie, ne prends pas de décision. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je vais t'emmener à comprendre. Et désormais, à faire attention à ce qui sortira de ta bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche peut te tuer comme te faire avancer. Ce qui sort de ta bouche peut te maudire comme te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Dis à quelqu'un, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. C'est pourquoi cela a toujours des effets sur ta vie. Cela a toujours des retombées, que ce soit positivement ou négativement, sur ta vie. Parce qu'il a une autorité sur toi. Peut-être que c'est le droit de naître. Ou bien il est ton père spirituel. Ou bien il est une autorité du village. Alléluia. Mais ce qui sort de ta vie, de sa bouche du moins, à cause de l'autorité qu'il a sur toi, peut avoir des retombées sur toi. Que ce soit en bien ou en mal. Alléluia. Amen. Amen. Le pouvoir de la puissance. Ou la puissance de la parole. Alléluia. Il y a une puissance dans la parole. Dieu dit. Que la terre soit et la terre fut. Amen. Amen. Il dit que la lumière soit et la lumière
le hielo. Il dit, créons l'homme à notre image. Selon notre, selon notre, à nos corps. Il a regardé l'homme. Il dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Il vient dans la colombe. Dans sa pensée, il va dire non. Ok, tirons la femme de la corse à son de l'homme et faisons lui un être à nous qui lui est semblable. À moi, là, à moi, là. Alléluia. Amen. Et cela de fut ainsi. Yélo. Allélua. Donc rien de ce qui existe sur cette terre n'a été fait sans la parole. Alléluia. La vie et la mort pourquoi le père se trouve écho dans la langue. Mais en combien collègue. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Écoute, la main, je vais te voir. Ce qui m'intéresse en toi ce matin, c'est la présence spirituelle. Ce que je recherche en toi ce matin, c'est la présence. Je ne veux pas que tu sois là en dormant. Je ne veux pas que tu sois là en somnolant. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle. Frère, écoute, sors de cette mort spirituelle. La puissance de la parole. Le pouvoir dans la parole. Nous allons prendre Josué. Le chapitre 6. Josué chapitre 6. Josué nous voit bévron. Le verset 6. Le dernier Godier, bébron. Josué chapitre 6. Jésus est nombreux. Le verset 6. Le dernier Josué, bébron. Josué 6. Josué 6. Verset 6. Josué 6. Verset 6. Oui. On va écouter cette histoire. Ce fut alors. Que Josué jura. En disant. Maudit soit devant l'Éternel. L'homme qui se levera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Oui. Il en jettera les fondements. Au prix de son premier-né. Et il en posera les portes. Au prix de son plus jeune fils. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a entendu? Tu as entendu, mais est-ce que tu as compris? Alléluia. Est-ce que tu as compris ce matin? Amen. Alléluia. Reprends encore ce verset. Qui est conscient? Ils ont entendu, mais n'ont pas compris. Ce fut alors que Josué jura. En disant. Maudit soit devant l'Éternel. L'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements de son premier-né. Au prix de son premier-né et en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Amen. Alléluia. Je vais vous raconter cette histoire. Alléluia. Amen. Voici le peuple d'Israël. De par l'alliance que Dieu avait stipulée avec leur ancêtre Abraham, va se retrouver plus tard en Égypte. Pendant que Joseph était gouverneur dans la maison de Pharaon et le Pharaon sur toute l'Égypte. Alléluia. Amen. Quelques années plus tard, Dieu va décider de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et de le conduire dans sa destinée. Donc voici, il va envoyer Moïse et va lui dire: Moïse, lève-toi, va faire sortir mon peuple
de l'Égypte. J'ai entendu sa souffrance. J'ai entendu ses pleurs. J'ai vu ses gémissements. J'ai vu ses douleurs. Et je connais ses cris. Elle était sortie de mon peuple. Et ramène-le. Conduis-le. Dans leur destinée. Il y a un Canaan. Où j'ai prévu le lait et le miel. Où il n'y a pas la souffrance, où il n'y a pas la stérilité, où il n'y a pas le célibat, où il n'y a pas la pauvreté, où il n'y a pas l'échec, où il n'y a pas les difficultés. Alléluia. Et donc Moïse va se lever sous la conduite de cet esprit. Il va se retrouver nuit à nuit devant Pharaon. Pharaon va faire la résistance, mais sous la puissance de Dieu, Pharaon va s'incliner. Il va être précipité plus tard dans la mer rouge, lui et tous ses cavaliers. Alléluia. Et le peuple d'Israël va sortir de l'Égypte. Ils vont traverser la mer rouge et ils vont prendre le chemin qui les conduit tout droit dans leur destinée à Canaan. Amen. Alléluia. Ils vont écraser leur passage les Amalécites. Ils vont écraser leur passage les Philistins. Ils vont écraser leur passage tous ceux qui sont opposés à leur destinée. Frère, c'est par la prière que tu peux combattre tes ennemis. C'est par la prière que tu peux vaincre tes ennemis. Si tu n'as pas la vie de prière, tu ne réussiras jamais dans tous les combats spirituels. Amen. C'est comme ça a été le peuple d'Israël. Dieu était avec eux et Dieu combattait pour eux. Tous ceux qui s'attaquaient à Israël s'attaquaient à Dieu. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, le combat que tu mènes n'est pas ton combat. Quand tu es un véritable serviteur de Dieu, quelle que soit l'épreuve, sois sans crainte. Quand tu as la caution de Dieu sur ta vie, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les attaques de l'ennemi, tu ne crées rien. Quelles que soient les flèches qui viennent de dehors, tu es en paix. Parce qu'il y a une puissance qui te protège. Tu es protégé. Et regarde la promesse de l'Éternel dans Exode 20, du moins c'est Exode 23, le verset 20. Il dit, voici, j'envoie un ange vers toi pour te protéger en chemin et te faire arriver au lieu que moi l'Éternel j'ai préparé pour toi. Le lieu qu'il a préparé pour toi, c'est là où se trouve ta bénédiction. Père, est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment l'Éternel ce matin? Est-ce que tu peux acclamer puissamment l'Éternel ce matin? Le lieu que l'Éternel a préparé pour toi, ce n'est pas l'endroit où se trouve l'échec encore. Ce n'est pas où tu as encore les douleurs. Ce n'est pas là où tu as encore les fibres. C'est là où il y a la paix du cœur. C'est là où tu vis la plénitude, l'abondance. C'est l'endroit que l'Éternel a prévu pour toi. Voici le peuple d'Israël allant dans sa destinée. L'ennemi va se lever et l'ennemi va dire non, parons le chemin à feu. Arrêtons la bénédiction que l'Éternel a entraînée. Oui, préparez pour celui-là. Faisons blocage à son passage. Ne le lançons pas. Entrez dans sa destinée. Donc il faut mettre un blocage. Arrivez quelque part dans une ville qu'on appelle Jéricho. Le peuple d'Israël est confronté à une muraille très épaisse. Voici blocage encore. On vient de livrer un combat. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas parce que tu as eu la victoire sur une épreuve. Ce n'est pas parce que tu as eu la victoire sur une attaque que tu vas baisser les mains. Mais tu vas croire que c'est fini. Non! Dis à quelqu'un, ce n'est pas fini. Dis-lui, ce n'est pas fini. Dis-lui, ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres barrages. Il y a encore d'autres bénédictions que Dieu prépare pour toi. Et ces bénédictions, il y a encore des barrages que tu vas traverser avant d'entrer dans ces bénédictions. Et tant que, du moins, tant que tu n'auras pas traversé ces barrages, tu ne pourras pas entrer dans ces bénédictions. Alléluia. Qui veut entrer dans sa bénédiction? Qui veut entrer dans sa bénédiction ce matin? Qui veut entrer dans sa bénédiction ce matin? Lève la main si tu veux entrer dans sa bénédiction ce matin. Lève la main si tu veux entrer dans ta bénédiction ce matin. Alléluia! Alléluia! Oui!
Il y a encore de grandes choses que Dieu prépare pour toi. Ne pense pas que là où tu es arrivé. Le peuple d'Israël est né à terre. En face d'une barrière invisible. Voici encore un combat spirituel. Jéricho. Jéricho. Il faut passer par Jéricho. Il a pris Jéricho pour arriver à Canaan. Il faut passer par Jéricho. Pris Jéricho pour entrer dans la bénédiction. Il faut passer par ce corridor satanique. Si seulement tu veux entrer dans ton élévation. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on s'entend? Un moment il t'arrive de pleurer. Il t'arrive de pleurer. Oui. Et tu crois que non. Le coup là-bas. Seigneur. Je pensais que j'étais arrivé. Je pensais que c'était arrivé. Je pensais que c'était déjà fini. Il a regardé Élie. L'ange dit, lève-toi. Mange. Car le chemin encore long. Dis à quelqu'un le chemin encore long. Dis-lui, tu n'es pas encore arrivé. Dis-lui, tu n'es pas encore arrivé. Le chemin encore long. Alléluia. Il dit, lève-toi, mange, car le chemin est encore long. Alléluia, alléluia. Il faut passer par Jéricho, il a pris Jéricho pour entrer à Canaan. C'est une partie de ta destinée. Jéricho fait partie de ta destinée. Il faut renverser la muraille de Jéricho d'abord. Si tu veux entrer dans une autre dimension de ta bénédiction. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Alléluia. Donc voici. Non, Yami. Josué, qui avait pris la relève de conduire le peuple d'Israël. Après la chute de Moïse, Josué va se retrouver en Aïe à la de Jéricho. Et Dieu va lui dire, voici je livre Jéricho en tes mains. Josué, lève-toi, n'aie pas peur, affronte. Mais voici comment tu vas faire tomber Jéricho. Effectivement, Josué va se lever et il va faire tomber Jéricho selon les indications de l'Éternel. Un combat où tu n'associes pas Dieu, frère, tu perdras ce combat. Un combat où tu n'associes pas Dieu, tu perdras toujours ce combat. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs et lui il écrasera nos ennemis. C'est avec Dieu, c'est en associant Dieu dans notre combat. On aura la victoire. Si tu n'es pas associé Dieu, ce sera toujours la défaite. Dieu dit, je vais te livrer Jéricho. Effectivement, il va renverser Jéricho. Et il va dire, au nom de la victoire que je viens d'avoir sur Jéricho, je le jure, moi Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel. Celui qui va se lever pour rebâtir cette ville de Jéricho, le jour où il va penser à faire la fondation, il enterre son premier nom. Son premier fils meurt. Alléluia. Amen. Et le jour, si c'est intéressé, bien sûr, qu'il a fini de construire cette muraille de Jéricho. Et lorsqu'il voudra mettre les bâtons des portes, il enterre son plus jeune enfant. Alléluia, est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Je te parle ce matin de la puissance de la parole. Il y a un pouvoir dans la parole. La parole qui sort de notre bouche a des effets, soit des effets négatifs ou des effets positifs. Mais toujours est-il qu'il est, selon l'usage de celui qui l'a fait, ressorti. Alléluia. Où je maudis, où je bénis, Jésus a laissé cette parole. Jésus est mort. Au coup, sa génération est passée. Les années sont passées. Peut-être que des siècles sont passés. Mais la parole n'est pas passée. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un la parole ne meurt pas. Dis à quelqu'un
la parole ne meurt pas. Jésus est mort. Jésus est parti. Mais la parole qu'il a déclarée sur cette ville de Jéricho n'est pas morte. Cette parole n'est pas partie avec Josué. Cette parole est restée. Elle a été semée. Elle reste la semence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand vous avez bien déclaré cette parole, oh, pardon, frère, qu'est-ce qui a été déclaré sur ta vie? Tous les contrats, c'est à base de paroles. Il n'y a pas de contrat sans paroles. Les pactes, c'est à base de paroles. Alléluia. Amen. Avant toi, qu'est-ce qui a été déclaré sur ta vie? Il y a ce qu'on appelle le troc spirituel. Oui, le troc spirituel. De la manière, il existe physiquement. Il existe aussi comme ça spirituellement. C'est un échange entre deux hommes ou un échange entre un groupe de personnes. Spirituellement comme ça, on peut troquer ta destinée. On peut échanger ta destinée et te communiquer une autre destinée. En attendant les sorciers, ils disent, je me suis arrêté sur lui pendant qu'il dormait et j'ai parlé à son âme et son âme est sortie. Il dit, j'ai parlé et je lui ai communiqué la maladie. Il dit, j'ai parlé et j'ai pris son enfantement. Il dit, j'ai parlé et j'ai pris son étoile. Tout a été fait et tout ce qui se fait est à base de paroles. Le contrat sont à base de paroles. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Et pour dire que tu es là ce matin, acclame Jésus. Et quand on t'a dit, je dis, ben, si tu es là ce matin, je veux te voir comme Jésus. Et quand on t'a dit, je veux te voir comme Jésus. Et quand on t'a dit, je veux te voir comme Jésus. Alléluia. 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 Amen. Qu'est-ce qui a été déclaré sur ta vie? Amen. Et ben, ne pouvez pas. Quel a été le contrat qui. La mona, voilà. Il y a ce qu'on appelle la malédiction héréditaire. Oui, je suis en train de te parler de l'histoire de Josué. Je dis de quoi? De maudit Jéricho. On parle Jéricho. Josué est mort. Non, je dis, il est parti. Mais la parole n'est pas partie. La parole est restée. Frère. Peut-être que quelque part, il y a des déclarations sur ta vie. Oui, peut-être que quelque part, il y a quelque chose a été dit sur toi. Oui, on parle un peu. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux qu'à la fin de mon discours, si je peux l'appeler ainsi, je veux qu'à la fin de mon message, que tu sois amen et à annuler tout ce qui a été dit sur toi. Est-ce que tu m'entends? Et quand est-ce que tu m'entends? Alléluia. Je veux que tu sois amen. Annuler toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur toi. C'est un contrat satanique qui ont été signé par tes parents et d'autres groupes de personnes. Alléluia. Ce qui a renversé ta destinée, ce qui a changé ta destinée, ce qui a donné une autre orientation à ta vie. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Je te dis que Jésus est mort. Il a déclaré sa parole sur Jéricho. Il est mort. Il dit celui qui va se lever pour construire Jéricho. Le jour il va se lever. Il enterre son premier fils. Alléluia. Amen. Si c'est entêté, il a construit la ville. Mais le jour, il va mettre les portes. Il enterre son plus jeune enfant. Il a recevé cette parole. Et il est parti. La parole est une semence. La parole est une semence. Or, la Bible dit qu'on ne moissonne que ce qu'on a semé. Tu ne peux pas semer maïs et tu vas récolter gombo. Tu ne peux pas semer un manguier et tu vas récolter dessus un goyard. Alléluia. Alléluia.
Amen. C'est ce que tu sèmes. Amen. Guru qui pousse. La puissance de la parole. Fais attention à ce, qui, à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis de tes enfants. Les déclarations que tu fais sur la vie de tes enfants. Tu ne réussiras jamais. Tu n'iras jamais loin. Tu ne pourras rien faire. Tu ne voyageras jamais. Tu ne feras rien. Ces déclarations. Tu as parlé. Ces déclarations auront des retombées plus tard sur la vie de tes enfants. Si les enfants souffrent, rappelle-toi. Et dis-toi que peut-être que quelque part, tu avais dit des choses. Si toi-même tu souffres, souviens-toi. Quelle est la déclaration que tu as faite sur ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 La puissance de la parole. Il y a une foi dans la parole. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Lui, il est mort. Le mot vous. Mais ce qu'il a déclaré demeure. Ce qu'il a dit sur Jéricho demeure. Alléluia. Il a mis ça en veille. C'est en stand-by. Ce n'est pas éteint. Alléluia. Il a mis ça en veille. Il est mort. Il est parti. Non, mais sa génération est partie. Tous ceux qui étaient là, le jour où il faisait cette déclaration, ils sont morts peut-être. Et ils sont partis. C'est quelques temps après. Mais on va voir les conséquences de ces paroles. On va prendre un roi. Un roi. Chapitre 16. Le verset 34. Un roi. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Si tu l'acclames Jésus. Si tu l'as ce matin, comme Jésus. Un roi, chapitre 16, le verset 34. On va voir la conséquence de cette parole que Jésus a déclarée sur la ville de Jéricho. Je rappelle encore. Il a dit sur la ville de Jéricho. Il a déclaré sur la ville de Jéricho en disant, il dit, celui qui va se lever pour partir cette ville de Jéricho, le jour où il posera les fondements, ce sera au prix de son premier-né. Le jour où il posera les portes, ce sera au prix de son plus jeune enfant. Jésus est mort, Jésus est où? Il est parti. On va voir quelques années plus tard les conséquences de cette parole. Un roi, chapitre 16, le verset 34. Un roi 16, verset 34. De son temps, Iel de Bethel, bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségur, son plus jeune fils. Selon la parole. Que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Noun. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Dieu? Tu vois la conséquence de la parole. Dis-lui, fais attention à ce qui sort de la parole. Ça peut construire comme détruire. Ça peut bénir comme maudire. Fais attention à ceux qui sont de ta bouche. Il y a une puissance dans la parole. Parce que la Bible dit que la parole est une semence. Et le semeur sème la parole. Mais cette parole qui a été semée, or, la Bible dit qu'on ne moissonne que
Sur quoi la semaine Josué a maudit. Je dis pas pardon. Il est parti. Mais je te l'ai dit que la parole a demeuré. La parole n'est pas morte. Avec la parole n'est pas partie avec et Jésus. La parole est demeurée. Quelques années plus tard, il y a ce monsieur qu'on appelle Iel de Bethel qui va se lever et il va venir. Il dit alors, je vais bâtir la ville de Jéricho. Effectivement, il va poser les fondements. La Bible dit, le jour où il a fait les fondements de la muraille de Jéricho, il a compris que ses goûts, son prédéné, il a posé les fondements. Abiram, du moins. Abiram. Alléluia. C'est au prix de son plus jeune enfant. Alléluia. Le jour où il est venu, mettre maintenant les portes. La muraille est finie. Il faut mettre les portes. Il a dit combien? Alléluia. Alléluia. Il a mis maintenant. Il vient d'enterrer son plus jeune enfant. Il a enterré son premier fils. Le jour où il a fait la fondation. Et le jour où il a fini maintenant. Et il est venu mettre les portes. C'est au prix de son plus jeune enfant. On appelle ses gouttes. Ce jour-là, il a enterré. Il a enterré son enfant. Selon la parole que Josué avait déclaré sur la ville de Jéricho. Jésus a dit, celui qui va se lever, il va partir la muraille de Jéricho. Il va taire. Le premier jour, son premier fils. Le jour où il vient encore, il va la porte. Il va taire son plus jeune enfant. Et cela a été tel que Josué l'avait déclaré selon la parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce matin, si tu es là, je veux, alléluia, que ce qui a été prononcé négativement sur ta vie, tous les pactes sataniques qui étaient tissés soient annulés ce matin au nom de Jésus. Est-ce que tu es là ce matin? Qui veut annuler tout ce qui est prononcé? Qui veut annuler ce matin les malédictions proférées par l'ennemi sur sa vie? Et le lendemain il meurt. Ou pendant qu'ils sont en train d'aller à la nuit de noces, un accident vient et les emporte. On a vu des gens qui viennent d'entrer dans leur destinée. On a vu des gens qui viennent de travailler. Et tout de suite, le travail se garde. Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Peut-être que dans le monde spirituel, il a été déclaré sur toi que toi tu ne vas pas te marier. Peut-être que dans le monde spirituel, il a été dit sur toi que toi tu ne vas jamais travailler. Peut-être que dans le monde spirituel, il a été dit sur toi que tout l'argent que tu vas avoir, tu ne vas jamais t'en servir. Peut-être que dans le monde spirituel, il a été dit que toi, tu ne vas jamais entrer dans ta destinée. Ce sera toujours une série de malheurs. Tu vas toujours demeurer dans la pauvreté. Peut-être qu'il a été dit sur ta famille que toi, ta famille sera toujours une famille d'esclaves. Vous serez toujours en train de servir. Vous serez toujours en train de tendre la main aux autres. Vous serez toujours en train d'attendre les autres avant de faire quelque chose. Nous avons ce matin, frère, sœur, si tu es là ce matin, je veux que tu te tiennes debout. Je vois tout le monde debout. Nous allons annuler
Akab c'est fier de déclarer sur toi. Amen. Nous allons annuler ce matin. Akab, tout ce que l'ennemi a prononcé sur toi. L'échange qui a été fait notamment dans toi. C'est qu'ils ont changé en toi. Ces paroles de bénédiction qui étaient en toi. Ils sont transformés en malédiction. La puissance de la parole sur toi. Ces paroles négatives qui ont aujourd'hui des retombées sur ta vie. Que cette parole soit annulée. Si c'est la stérilité qui a été déclarée sur toi. Si c'est la stérilité qui a été déclarée sur toi, donc que cette stérilité se transforme en fécondité. Tiens-toi debout. Debout. Tu vas lever les deux mains. Regarde, c'est ce que tu dis. S'il te plaît, fais tomber le bail. Bail, tu vas au fais tomber le bail. Tu vas aussi mieux qu'on va. Vous faites tomber le bail. Regarde, là, il je sens tellement une puissante onction de délivrance ce matin. Je sens tellement la puissance de Dieu ce matin. La grande tête au quotidien. Je sens tellement la puissance de Dieu. Ce matin. La grande tête au quotidien. Oui, laisse tomber les bagues ce matin. Non. Ce n'est pas normal que tu vives cette situation dans la vie. Je refuse cette situation ce matin. Dis, je refuse cette situation ce matin. Dis, je refuse cette situation ce matin. Dis, je refuse cette situation ce matin. Tu vas prier ce matin. Alléluia. Mais je veux que tu élèves la voix que tu pries. Tu vas dire ce matin. Seigneur, j'annule toutes les déclarations faites par mes ennemis sur ma vie. Seigneur, cette déclaration de malédiction, je les annule ce matin au nom de Jésus. Tout ennemi, arrêtez, déclare cela ce matin au nom de Jésus. Tu vas élever la voix, tu vas commencer à prier. Si c'est la malédiction de la stérilité, si c'est la malédiction du chômage, si c'est la malédiction de l'échec, si c'est la malédiction du non-aboutissement, si c'est la parole de la stérilité qui a été déclarée sur toi, si c'est des paroles maudites, je vais te prononcer sur toi. Tu vas prier ce matin et tu vas annuler tout cela. Élève la voix, prie. Prie. Annule toute parole négative commencée par l'ennemi dans ton vie. Élève la voix de ce matin. Je vais te prier. Je vais te prier. Sur ta vie,
qui a changé ta destinée. Cette parole qui te suit partout où tu es. Cette parole qui t'accompagne à tout lieu. Cette parole. Oh, je sens tellement la puissance de Dieu. Et ton Dieu va te libérer ce matin. Non, c'est le moment de ta délivrance. Non, c'est l'heure de ton miracle. Donc, je t'ai déclaré. Ce qui te met aujourd'hui dans la souffrance, Dieu vient annuler cela. Je sens tellement la puissance de Dieu. Je vois des gens que Jésus est en train de viser. Je vois des gens. Il y a certaines choses qui sont en train de tomber de leur vie. Il y a des choses. Oui, non. Qui sont en train de tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu va te restaurer ce matin. Ton Dieu va te restaurer ce matin. Ton Dieu va te restaurer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut puissamment acclamer le roi? Allez, je vais vous donner un bras. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Dieu? Est-ce que je suis délivré au nom de Jésus. Dis-le, je suis délivré au nom de Jésus.